3, 2, 1. En ce temps des fêtes, nous nous trouvons ce soir au Moulin Marcoux à Pont-Rouge pour vous présenter notre spécial Salut Pont-Neuf 2016. On est au Moulin Marcoux pour le tournage de notre spécial des fêtes. On a avec nous M. Gaétan Genois. Bonsoir Gaétan. Allô Sophie. Content de te retrouver. Ben oui, moi aussi. Ce soir, tu nous interprètes plusieurs chansons. On va commencer par la première. Ouais. C'est laquelle? Ça s'intitule Lucky. Elle a une longue histoire, mais je vais la faire très courte. C'est qu'à un moment donné, j'étais rédacteur d'un magazine qui était destiné aux gens de la Floride, les Québécois qui résident en Floride, soit à l'année ou soit saisonnier. Et puis, à un moment donné, c'était un hiver que je tatanais un peu de l'hiver. Malgré que j'aime l'hiver, ça fait que cette chanson-là m'est venue. L'idée d'avoir envie d'être là, moi aussi. Comme plusieurs sont partis, là, ces temps-ci. C'est ça. Donc, pour les gens de la Floride, on vous salue, on vous envoie Lucky. Non, je recommence. Lucky, Lucky, je suis jaloux. Lucky, lucky, je deviens fou. Car dans mon pays de neige, je suis pas toujours à mon aise. Toi, tu te retrouves aux anges, là-bas au pays des oranges, là où le sable est sur la plage, pas dans les côtes et les virages. Lucky, c'en est trop. Lucky, je suis pas un esquimau. Au bout de mes chemins de glace, c'est pas que je manque de place. La vérité, c'est que parfois, dans ma cabane au Canada, quand je suis en état de crise, je rêve de quitter ma banquise. Lucky, Lucky, explique-moi. Lucky, ce que je fais là. Toi qui as élu domicile directement sous le soleil, y a les tempêtes tropicales. D'Arthur à Zoé, on en parle comme de vieilles connaissances qui viennent démolir tes vacances. Et là-bas, y a pas de poudrerie. Et quand la tempête est filée, suffit de pas lire les nouvelles dans les pages où sonnent sentinelles. Sur le vent ou sur le dos, sur la plage de Pompano, bien en bas du 45e,
qu'ils viennent oublier leurs problèmes. Loqué, loqué, je suis jaloux. Loqué, loqué, je deviens fou. Car dans mon pays de neige, je suis pas toujours à mon aise. Toi, tu te prélasses au songe, là-bas au pays des oranges, là où le sable est sur la plage, pas dans les côtés des virages. Il n'y a pas une soirée de fin d'année où est-ce qu'on n'a pas un compte ou un compteur qui est là. Donc, on a la chance ce soir d'avoir Pierre-Luc La France de La France Communication. Merci Pierre-Luc d'être venu. Alors, Pierre-Luc va nous raconter un conte de Noël. Vas-y. Donc, ça se passe il y a bien, bien longtemps. Dans les temps de jadis. En fait, dans cette période-là, c'est avant l'invention de la couleur, quand le monde était encore en noir et blanc. Dans cette période-là, il y avait encore un seigneur. Puis le seigneur, ben, il se promenait partout. Puis pour Noël, ben, on n'avait pas les iPods, les iPads, on n'avait pas les jeux qu'on a maintenant. À Noël, si tu avais eu une bonne récolte, ben, tu mangeais un festin avec ta famille. Mais cette année-là, Jean-Noël, il n'avait pas eu une bonne récolte. Ça avait tout pris pour qu'il réussisse à arracher une coupe de légumes poqués d'un sol ingrat. C'est pas compliqué, il y avait plus de roches que de terre dans son terrain. Fait qu'on est le soir de Noël. Il est chez eux. Sa femme est en train de dormir avec les enfants en haut pour se préparer pour la messe de minuit. Puis lui, il se dit, ça n'a pas d'allure. La bouffe, c'est même pas assez bon pour donner aux quêteux du village. Et à ce moment-là, ça cogne. Il va voir. Il ouvre la porte. Il n'y a personne. Il vient pour refermer. Puis, hey, hey, wow! Femme bas! Jean-Noël, il regarde. C'est un lutin. Mais lui, il en a entendu parler à l'église, le prêtre en a parlé, le lutin, c'est un des visages du malin. Il n'a pas une peur. Mais là, le lutin, il dit, non, 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 fais-toi-en pas, je suis pas un lutin, je suis ton lutin. Je suis là pour t'aider. Tu te souviens, l'été dernier, quand ton petit dernier, là, il était dans le champ, puis à un moment donné, le taureau, il a couru dessus. Puis à un moment donné, vous avez pas compris pourquoi, mais le taureau s'est couché. C'est moi, ça. C'est moi, j'ai sauté sur le taureau, puis je l'ai obligé à se coucher. Fais-toi-en pas. Jean-Noël n'était pas convaincu, mais bon, quelqu'un qui a sauvé son fils, tu le laisses rentrer. Et le lutin, il dit qu'il a amené un festin. Festin, il avait hâte de voir ça. Le lutin, il sort un ragoût. Un ragoût correct, là, mais c'est pas un festin. Qu'est-ce que t'aurais voulu? Que je t'accorde des vœux? Ben, ouais, ce sera fun des vœux. Trois vœux. Et on va reprendre la suite plus tard. Il n'y a pas une soirée dans le temps des fêtes où on n'a pas quelqu'un qui joue du violon, qui tape du pied, et on a la chance d'avoir notre vedette des dernières semaines, François Dumas. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Donc, ce soir, tu nous interprètes combien de pièces? Trois. Et puis, tu vas toujours faire ça là, comme un champion, taper du pied et jouer du violon en même temps? Je vais faire mon grand possible. Je voulais savoir, François, tes vidéoclips ont été vus au-delà de 2000, même au-delà de 4000 vues. Tu as eu des nouvelles? Sont allées jusqu'où, tes images? Aux dernières nouvelles, les messages que j'ai reçus ce matin, ils étaient rendus en Irlande. Alors, tu es presque une vedette internationale. Si on veut, j'aurais jamais pensé que
L'Internet, ça va vite, ça. Ça va très vite, puis quand on est bon, c'est encore mieux. Ben, j'imagine. Fait que merci, on s'en va voir ça avec François Dumas. Reviens à notre compte de la soirée. Pierre-Luc, je veux savoir qu'est-ce que Jean-Noël a demandé au lutin. Tu nous as parlé de trois souhaits, alors je te laisse continuer. Donc, Jean-Noël pense à son affaire, puis un moment donné, il a son idée. Il dit, ouais, moi, tous les jours, je vois le Seigneur passer dans sa carriole. Il a de l'air bien. Il y a des serviteurs, il y a des gens qui le conduisent. Je veux être le Seigneur, je veux prendre sa place. OK, et puis ton deuxième vœu? Mon deuxième vœu, je connais quelqu'un, en tout cas, ma femme connaît quelqu'un qui a lu un livre. Puis ça a l'air que dans le livre, il y a un élixir de longue vie. J'aimerais ça, moi. Moi, j'aimerais ça, pas être malade, vivre éternellement. Mais ça doit être le fun. C'est ça que je veux. OK, puis ton troisième vœu? Mon troisième vœu. Puis là, Jean-Noël, il regarde son chien qui est à terre en train de sniffer, je sais pas trop quoi. Il dit, ouais, moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux un bonheur facile comme les chiens. Ils se posent pas de questions, sont heureux, ils ont rien à faire. C'est ça que je veux, un bonheur facile que j'ai rien à faire. Fait que le lutin dit, parfait, je vais te donner tes souhaits, mais avant, viens avec moi. Puis là, plouc, il se retrouve chez le Seigneur. Là, le Seigneur, il est assis à table, puis il y a une servante qui vient lui emmener son mets, puis qui lève le couvercle. Hey, là, Jean-Noël, il a hâte de voir c'est quoi le festin. C'est du bouillon. Juste un bouillon. Mais là, il entend le Seigneur qui dit « Ah, oh, c'est un bouillon à quoi cette année? » Il dit « Ah, ben vous savez, le médecin l'a dit, vous êtes très malade, vous pouvez pas prendre d'autre chose, c'est un bouillon de poulet. » Hey, là, Jean-Noël, ça tente pas pantoute de prendre la place du gars, d'être malade. Il dit « Ah, oh, on peut-tu effacer ce vœu-là? » Pas de problème. Et là, il se retrouve dans une résidence où vit le plus vieux couple de la maison, de la région. Et là, il parle d'amis. Puis à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, ah ouais, il est mort. Ah ouais, il est mort. Puis il dit, moi, je suis pas sûr que j'ai le goût de vivre si longtemps que ça, puis que tout le monde que je connais meurt, puis me retrouver tout seul, puis on peut-tu oublier ce vœu-là? Juste le bonheur, mais ça doit être le fun, juste être heureux. Parfait. Donc, et là, ils reviennent chez Jean-Noël. Et Jean-Noël a un mal de dents. Un mal de dents terrible. Il est même plus capable de s'entendre penser tellement ça fait mal. Puis ça fait mal. Puis là, le lutin le regarde et dit, « Ouais, t'as-tu vraiment mal? » »« Oh, oui, j'ai mal. » »« Ça fait mal, là. »« Oh, arrête, ça fait mal. »
Ça fait-tu encore un peu plus mal? Tiens, t'as plus mal, puis j'en ai là plus mal. Le lutin dit, t'es-tu heureux maintenant? Ouais, je suis heureux. Voilà, t'as eu ton bonheur, t'as pas eu besoin de travailler pour l'avoir. T'es heureux. Et ce soir-là, ben, ils ont pris leur festin ensemble, ils ont mangé le ragoût avec les enfants, avec sa femme. Et à ce moment-là, Jean-Noël a réalisé que le vrai bonheur, le vrai esprit de Noël, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de réussir à être accompagné de gens qui vous aiment et que vous aimez pour la période des fêtes. Merci Pierre-Luc, c'est un beau conte. Alors nous, on vous souhaite ça aussi, pas juste à Noël, mais tout le long de l'année 2017 avec votre famille et vos enfants. Donc profitez-en. Merci d'être là ce soir avec nous. Bien, ça fait plaisir. Ça se poursuit avec M. Gaétan Genois, toujours en musique. Gaétan, la prochaine pièce? Sur la 138. Ça fait, je l'ai eu en tête longtemps, le titre, et puis ça m'a pris du temps avant que ça vienne, parce que je voulais écrire une chanson sur Portneuf, et quelque chose qui parlait d'un thème Portneuvois. Et puis, à un moment donné, ça a été ça qui s'est imposé sur la 138. De Neuville à Grondines, c'est sur la 138, la MRC de Portneuf. Commence à Neuville, finit à Grondines. Ça fait que ça a été ça, le thème d'affaire. Super, donc on va écouter ça tout de suite à l'instant. On roulait pas trop vite sur la 138 de Neuville à Grondines dans notre vieille berline. La musique à la planche à franchir les lignes blanches à 50 à l'heure entre les champs de fleurs. Vous mène le vent, vous s'arrête le temps. La vie est un voyage qui mène à ton village. On roulait pas trop vite sur la 138 de Neuville à Grondines dans notre vieille berline. C'était le bonheur, rien ne nous faisait peur. Vers où on roule, on s'en fout, ils n'ont pas besoin de nous. Où mène le vent, où s'arrête le temps. La vie est un chemin qui mène à ton jardin. On roulait pas trop vite sur la 138 de Neuville à Grondines dans notre vieille berline. On n'était pas parti pour faire le tour du monde, juste vivre notre vie sans en perdre une seconde. Où mène le vent, où s'arrête le temps, le fleuve se mène à toi sur le chemin du roi. On roulait pas trop vite sur la 138 de Neuville à Grondines dans notre vieille berline. Yep. Sur la 138 de Neuville à Grondines dans notre vieille berline. Portneuf TV, on est là depuis le mois d'août seulement et on en a fait du chemin. Et encore là, pendant le temps des fêtes, on est allé se promener dans la MRC et certains maires ont décidé de venir vous faire vos souhaits. Alors, ce matin, on vous reçoit dans la nouvelle garderie coopérative de Saint-Ubald. C'est une réalisation importante qui a été faite cette année grâce à un groupe de citoyens qui se sont unis pour créer cette garderie-là qui est au,
Au total, contiendra 21 enfants. Alors, c'est d'ici ce matin qu'il me fait plaisir de vous souhaiter, au nom de la municipalité de Saint-Hubert et de ses citoyens, un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Bonjour. Au nom de tous les employés municipaux, des conseillères et des conseillers, et en mon nom personnel, j'aimerais souhaiter à toutes les Ripiéroises et tous les Ripiérois de joyeuses fêtes 2016 ainsi qu'une bonne et heureuse année 2017 et que vos désirs les plus chers puissent se réaliser. Bonjour, chers citoyens. L'année 2016 fut très occupée, entre autres par l'élection partielle de juin dernier, l'érosion de la berge et le glissement de terrain près de la rue Notre-Dame, qui s'en est suivi par une fermeture temporaire et complète. 2017 s'annonce pour être une année des plus mouvementées depuis plusieurs années. Mettre aux normes et la rénovation de l'hôtel de ville, réfection de plusieurs rues et beaucoup d'autres projets nous sont annoncés en temps et lieu. En cette fin d'année, le conseil se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux d'un joyeux Noël et une bonne année. Que cette période soit remplie d'heureux moments avec les personnes qui vous sont chères, et la nouvelle année nous apporte bonheur, joie et santé. Le pigeon sur la barrière. Ça, ça vient d'Irlande. C'est Michael Coleman qui joue ça. Ça m'a pris 7 mois de l'apprendre. Parce que dans ce temps-là, l'étape tournante, il y avait toujours ce défaut-là. Il tournait toujours un petit peu trop vite. Puis là, ben, enlève l'aiguille, puis recule un petit peu. Il a pris une main. Fait que quand vous serez prêts. OK. Ça tourne. Bon, fait que, on continue ça avec ça là, pour le temps des fêtes, mais une petite pensée pour les Irlandais, puis les Écossais aussi, qui peuvent avoir dans la région de Portneuf un morceau de Michael Coleman, Lord MacDonald. Avec une pièce d'Irlandaise, mais jouer un petit peu à la québécoise aussi. Thank you.
Portneuf TV, on a fait plusieurs clips, on s'est promené un peu partout dans la région de Portneuf. Donc, on vous présente ce soir un medley des clips qui ont été les plus vus depuis le mois d'août. Le public, c'est... Comment dire? C'est la vie. C'est le balcon de l'église du temps. C'est les villageois qui se réunissent ici. C'est aussi des produits exceptionnels. Écoute, Deschambault, là, on est 40 producteurs de toute la région de Portneuf et des environs. Des petits pots que nous pouvons vendre, des confitures, des gelées, tout ce qui va en fait en petits pots. Donc ça fait beaucoup de bonheur. Vraiment beaucoup. Bonjour, mon nom est Suzanne Claveau, je suis artiste peintre à Portneuf. Alors moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis artiste peintre. Puis je dirais que ça fait plus longtemps que ça encore, parce que depuis que je suis au monde, que je pense que je suis artiste peintre. Et c'est vraiment le métier que j'aime. J'ai essayé différentes choses et c'est ma vie, c'est mon métier, c'est dans mes cellules, c'est moi. Qui je suis, bien, c'est difficile à dire comme ça, mais je suis moi, tout simplement, t'sais. Période des questions des citoyens d'une durée de 15 minutes. C'est à l'école secondaire de Saint-Marc que se tenait le 21 octobre dernier la 9e édition de la soirée Vins et fromages au profit de la fondation de l'école secondaire de Saint-Marc à Saint-Marc-des-Carrières. Qui fait que le titre que j'ai donné à ma conférence, une économie au service de ma région, j'ai l'impression qu'ici, dans la région, on comprend ça. On comprend ça. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Que tu as demandé à avoir comme cadeau de Noël? Des chauves-skis. Puis après ça, est-ce que tu as demandé d'autres choses? Des bonbons. Qu'est-ce que tu as demandé? Des bonbons avec des choux dedans. OK. T'as-tu été assez sage? Oui, hein? T'as de l'air d'un garçon sage. Il n'y a pas de cadeau. J'ai apporté des cadeaux de l'Occitie, puis il a fait un cadeau qui c'est un téléphone, puis deux téléphones encore. Oh! Qu'est-ce que tu as fait de ta liste de cadeaux cette année? J'ai pas fait la liste, là, mais je voulais une tablette. Mais ça, j'ai fait une tablette, mais moi, je voulais pas de lettre, fait que c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais avoir?
Journal des fêtes dont vous êtes conviés, convenablement, carrément conviés. J'aime les C. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Continue la fête à soir avec le Reel des Esquimaux. Le violoneux Isidore Soucy, dans les années 30, avant disquer ça sous ce nom-là, le Reel des Esquimaux. Et c'est le nom qui est largement utilisé. Fait que on va essayer ça. Comme dernière pièce, on a la chance, avec M. Genois, d'entendre « Tombeau village ». Oui, celle-là, la signification, c'est que ça part du fait qu'on a tous quelqu'un dans nos familles, dans nos amis, qui est allé à l'extérieur, qui a quitté la région pour aller travailler, faire carrière, aller faire des études, ou alors tout simplement, des fois, que c'est l'amour qui nous amène à suivre quelqu'un. Alors, c'est ça que ça raconte. Et puis, à un moment donné, on revient voir nos amis, on revient passer un moment pour toutes les raisons du monde, des célébrations ou des fêtes ou des vacances. On revient dans notre région et on revient voir notre beau village. Alors, quand tu reviendras dans ton beau village? Alors, on en profite pour saluer tous les Portneuvois, peu importe où vous soyez sur la planète, puis on vous souhaite une belle chanson. Donc, on va écouter ça tout de suite. Merci. Merci, Sophie. Tu reviendras dans ton beau village, au pied de la montagne,
au cœur de la vallée. Sur les premiers pas de ton premier âge, tu réveilleras l'enfant qui sommeille en toi. Quand tu reviendras dans ce beau pays, tu fouleras la terre où tu as grandi. Au bout d'un chemin qui jamais ne s'oublie, même quand il faut partir pour une autre vie. Quand tu reviendras dans ton beau village, au pied de la montagne, au cœur de la falaise, quand tu reverras tes amis d'autrefois, et que tu penseras à ceux qui ne sont plus là. À marcher dans les grands pâturages, que tu deviendras ton si beau village, et les peines et les joies se bousculeront en toi. Quand viendra le jour où il faudra partir, tu reviendras dans ton beau village, au pied de la montagne, au cœur de la vallée. Pas de ton premier âge, tu réveilleras l'enfant qui sommeille en toi. C'est maintenant terminé pour notre spécial Salut Portneuf 2016. Je vous tiens à remercier tous nos collaborateurs qui nous ont supportés et bien sûr tous les invités qui ont eu ce soir, donc Pierre-Luc Lafrance, Gaétan Genois, François Dumas, bien sûr les gens qui sont là, comme à la technique, Marc-André Turgeon, Patrick Leblanc et Steve Parent. Et puis on se dit bien sûr à l'année prochaine et suivez-nous en 2017, on vous réserve des surprises.